Bonjour, Éric Orsenna. Bonjour, bonjour. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai une voix un peu aznavourienne. Vous voyez, parce que 4 jours de salon, et notamment le samedi, avec quelques courants d'air, c'est pas extraordinairement bon pour les bronches. Donc, remarqué, j'ai dit juste bonjour Éric Orsenna et... Oui, voilà. Oui, pardon. Donc on recommence. Deuxième. Bon, vous publiez chez Flammarion, propriété du groupe Madrigal, ce 8e petit précis de mondialisation intitulé « Nourrir sans dévaster ». Il y a 18 mois, vous étiez sur cette même scène de la station Ozone, le 2 novembre 2022 exactement, et nous évoquions tous les deux votre 7e petit précis « La Terre a soif ». Il était publié chez Fayard. Alors, ceux qui suivent le monde de l'édition savent pourquoi vous avez changé de maison et surtout pourquoi vous rendez hommage dans la dernière ligne de vos remerciements à votre éditrice, je vous cite, une certaine Sophie, PDG de Flammarion, on peut dire son nom, Sophie de Closet, ancienne patronne de Fayard, rachetée comme sa maison mère Hachette par Vincent Bolloré, auquel vous avez consacré d'ailleurs entre-temps un livre. Ah bon ? Cette fois-ci, vous vous êtes mis à deux pour écrire ce petit précis, puisque vous êtes associé à un ancien ministre proche d'Emmanuel Macron. Vous dites d'ailleurs au début du livre, c'est amusant un petit peu comment ça s'est passé, Julien de Normandie. Alors Julien de Normandie, tout le monde le connaît, médaille d'or au comice gouvernemental 2022, 2023, 2024 de la rumeur non confirmée de la nomination ministérielle, y compris primo-ministériel. Mais il a bien été ministre, je vous confirme, entre 2017 et 2022, et surtout titulaire du portefeuille de l'agriculture dans le gouvernement Castex entre juillet 20 et mai 22. Alors, il faut dire que contrairement à vous, Éric Orsenna, Julien Normandie est un homme du milieu, au sens du fait qu'il est ingénieur agronome, ancien élève du plus prestigieux des instituts d'agronomie en France, Paris-Grignon, dont j'ai découvert qu'il avait changé de nom pour une appellation que je trouve un peu bizarre, Agro-Paris-Tech. Je trouve que Paris-Grignon... Ouais, ridicule. C'était... Merci. Il est... Julien Normandie, il appartient au corps prestigieux du génie rural des eaux et forêts, une école qui a été créée il y a plus de 200 ans. Alors, au vu de l'actualité la plus récente, le moins qu'on puisse dire... Auquel appartenait, d'une certaine manière, Jean de La Fontaine. Ah oui, voilà, c'est ça, d'une certaine manière, puisqu'effectivement, c'était... Donc, au vu de l'actualité la plus chaude et la plus récente, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un sens de l'opportunité assez développé. Pourquoi vous avez avoir écrit ce livre à 4 mains? Et si j'ai bien lu dans vos pages de remerciements... Manquer de rendre chèvre, vous me passerez l'expression, c'est pas la vôtre, c'est la mienne, votre jeune éditrice Anne-Avril Wollmann, à qui vous rendez hommage, puisque vous dites qu'elle a dû parfois arbitrer entre nos positions respectives. Alors, il se trouve que moi, j'ai une formation d'économiste des matières premières. Pour une raison assez précise, c'est que quand je suis arrivé à l'âge adulte, je savais que de toute façon je serais écrivain et que j'avais besoin d'autres métiers, et que les pays du Sud arrivaient à l'indépendance. Et que j'avais rejoint un parti qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié, qui était unifié parce que personne n'était d'accord, comme souvent au Parti Socialiste. Maintenant, il n'y a plus de socialistes, donc c'est un peu compliqué, j'y suis revenu, mais voilà. Enfin, bref, on ne va pas parler de ça. Mais bon, et donc... Je me disais, s'ils réussissent à gérer leurs matières premières, ils vont réussir leur indépendance. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et le premier cabinet ministériel auquel j'ai participé, c'était pour gérer les matières premières. Gérer le café, le cacao, l'uranium, auprès de Jean-Pierre Cotte, qui était ministre de la Coopération. Donc j'ai toujours été passionné par ces questions, parce que ce sont des questions qui n'étaient plus du tout à la mode, hein. On me disait « Pourquoi tu vas pas dans la tech ? Pourquoi tu vas pas dans la finance ?» etc. Puis j'ai continué. Et puis après des années de Conseil d'État, je me suis dit il y a 17 ans maintenant que j'avais envie d'être reporter. Donc je suis parti sur le coton. Le coton, c'était aussi une de l'agriculture. Et donc j'étais passionné pour ça. Et puis le coton, personne n'y croyait. De cette enquête sur le coton, et puis au bout de 9 mois, mon éditeur Jean-Marc Roberts m'a dit : « T'as vu les tirages ? » Oui, c'était plus de 200 000, etc. Et il a dit cette phrase qui a changé ma vie en tant que lecteur de Tintin. Et il m'a dit à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Oui, oh là là, mais oui, madame, oh là là. Donc, comme vous imaginez, il m'a plus jamais revu.
parce que j'ai enchaîné sur l'eau. Mais vous avez quand même rendu des livres régulièrement, hein, parce que je suis un travailleur, moi, vous savez. Ma mère, avant de sombrer complètement dans Alzheimer, m'a fait cette révélation. Elle m'a dit, écoute, quand tu es rentré en classe de sixième, c'était le CP à l'époque, elle m'a dit, écoute, que les choses soient claires, tu travailles d'abord, tu joueras ensuite. Et puis, au bout de deux mois, elle m'a dit, tu devrais quand même jouer de temps en temps. Alors, je lui dis, trouve-moi un jeu qui m'amuse autant que le travail. Donc, pour moi, c'est... Et puis, c'est quand même des sujets formidables, avec des possibilités d'enquêter partout dans le monde, et avec l'amitié. Parce que c'est pas la première fois que je travaille avec d'autres gens. J'ai fait deux livres avec Isabelle Autissier, qui m'a donné la possibilité d'aller en Antarctique pendant deux mois sur son petit bateau, là. Et donc, et puis avec Bernard Cerchilini sur les langues, et puis avec beaucoup d'autres gens, et puis avec ma femme qui est médecin vasculaire, alors que moi je m'occupe de l'eau, donc c'est un peu la même chose, etc. etc. Donc, l'amitié, c'est quand même ce qui permet d'être plus grand que soi-même. Et alors, pourquoi avec de Normandie? Eh bien, on s'était connus quand il était au cabinet d'un certain Emmanuel, que j'avais connu avant lui, puisque je l'avais connu, moi, à la commission Attali, dont il était secrétaire adjoint. En 2007. Exactement. Donc, il avait 29 ans, je l'avais connu, et on s'était bien entendu. J'étais un peu déçu du socialisme à l'époque, donc je me suis dit, ce type-là, il va peut-être bouger les choses. Et puis, en résumé, j'ai cru à un certain moment... D'ailleurs, un lien avec Bordeaux, c'est que j'avais participé à une commission qui s'appelait la commission du grand emprunt, et cette commission était co-dirigée par deux anciens premiers ministres, deux inspecteurs des finances, c'était Rocard et Juppé, et c'était un climat absolument formidable, parce que vous savez, il y a deux manières de mal préparer l'avenir, il y a évidemment dépenser beaucoup d'argent, plus que ses recettes sur les dépenses courantes, mais aussi c'est ne pas investir dans les grands domaines. Et on a passé deux mois d'entente parfaite entre les deux, là, qui s'aimaient beaucoup, et donc se dire, tiens, si la France pouvait être unie. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et on s'est rendu compte un peu que, sans être méchant, mais enfin, un peu quand même, que le en même temps, c'est n'importe quoi, de mon point de vue. C'est pas du tout ce que pense Julien, évidemment. Donc, vous voyez, donc c'était une base d'amitié franche et qui a survécu à tout ça, et puis avec des positions qui sont des positions assez différentes. On va avancer dans le livre. Ce que vous venez de dire est tout à fait d'ailleurs fort bien indiqué dans l'introduction, hein, y compris vos différences, j'allais dire, de position. Et ce livre est tout à fait intéressant à lire, y compris dans la forme, parce que on voit qu'il a été écrit. Alors je sais pas si c'est donc à quatre mains ou à deux voix, enfin on voit bien, puisqu'à chaque fois il y a écrit je entre parenthèses Éric ou je Julien, et donc le lecteur d'une certaine façon. On vous entend débattre, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Alors, on va sauter, d'abord commencer par, pas par le début, mais parce que le livre a 10 parties, hein, avec des chapitres qui se lisent très facilement, de 2, 3, 4 pages un peu à chaque fois, donc c'est très vivant. Et je voudrais évoquer avec vous la partie 9, d'abord, hein, qui s'appelle « La paille et la poutre », qui s'ouvre sur l'évangile de Luc, avec la fameuse parabole. Alors vous, Éric Ostréda, vous avez fort bien connu François Mitterrand, dont vous avez été très proche, et vous savez ce qu'a représenté la paille et le grain dans l'œuvre de François Mitterrand. Là, c'est la paille et la poutre, mais comme le livre parle beaucoup de grain, on sent que tout ça se tient. Hein. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire qui est arrivée à Guillaume d'Ivanac, éleveur à Plonévez-Porzay, dans le Finistère, et qu'est-ce que dit le chapitre intitulé La parole d'Éole. C'est un moment assez particulier que je trouve assez emblématique du livre. Eh bien, il y a eu des agressions, comme vous savez, contre les éleveurs. Il y en a eu beaucoup. Mais celle-là était particulièrement violente parce qu'on l'a traité de nazi. Et donc, il disait que son élevage était comme un camp d'extermination. Donc, imaginez la violence, imaginez sa position. C'est vrai qu'il y a des élevages, j'en ai visité beaucoup, parce qu'il se trouve que, toujours passionné par les questions d'alimentation et d'agriculture, j'ai fait quand même 3 ans de travail sur le porc. Donc je connais un peu les questions. Donc les gens, il y en a qui ne respectent pas du tout les animaux. Mais là, c'était quand même une grande violence. Et donc ils ont été complètement détruits.
Et puis ils ont demandé à un artiste de repeindre un peu, mais en fait, ça n'efface pas dans la mémoire cette agression incroyable. Mais plus que ça, peut-être, parce que moins violent, mais plus quotidien. Tous les agriculteurs que je vois, il se trouve que j'ai des liens très forts avec l'agriculture, parce que je suis parisien, mais je passais 3 mois par an en Bretagne, dont un mois chez mon oncle adoré, qui vendait, réparait des machines agricoles à Quimper. Donc j'allais regarder un peu ces choses-là. Et donc, jusqu'à une date, au fond, relativement récente, on saluait les agriculteurs et les tracteurs quand on les voyait. Maintenant, on dit « Barre-toi, je veux passer avec ma SUV ». Et donc, il y a une sorte de violence, premièrement. Il y a un autre point, et là, je passe directement à la première partie du livre. C'est que, vous savez, les formules, Aristote, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Mais allons plus loin. « Dis-moi comment tu manges, à quel prix, et dans quelles conditions, je te dirai à quelle société tu appartiens ». Or, l'alimentation reste toujours essentielle, comme on le sait, mais les Français portent de moins en moins attention à ce qu'ils mangent. Alors, il y a une question clé, c'est la question du prix, bien sûr. Moi, je travaille depuis longtemps avec ATD Carmont, mais aussi avec les Restos du Cœur, mais aussi avec les banques alimentaires, etc. etc. 16% des Français mangent pas leur faim. 16% des Français aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Et ça, c'est la moyenne. Mais notamment chez les jeunes, il y en a beaucoup qui se privent d'un repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, il y a cette question-là. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, à chaque fois qu'on a voulu sauver le niveau de vie des Français, on l'a sauvé en disant, eh bien, on va encore baisser le prix des produits alimentaires. À chaque fois... on a baissé le prix des produits alimentaires, notamment en important ce qu'on s'interdisait de produire. Et à chaque fois, alors qu'on demandait aux agriculteurs de respecter de plus en plus de normes, et c'est bien, le titre c'est nourrir sans dévaster l'environnement, mais aussi eux-mêmes, leur santé et notre santé à nous, mais il y a cette question-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dès qu'il y a un arbitrage, c'est toujours au détriment des agriculteurs. Et quand il y a des grandes négociations avec des pays, par exemple, d'Amérique latine, le Mercosur, etc., eh bien, on dit, bon, bah voilà, on va céder sur les questions agricoles. Comme ça, ça nous permettra de vendre des sous-marins, des avions, des services financiers ou des grands distributeurs, etc. Vous voyez, ce genre de questions. Donc, à chaque fois, on tape sur la tête des agriculteurs. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Alors, on va faire un grand bond en arrière, parce que votre livre évoque une histoire qui s'est déroulée il y a 20 000 ans, entre deux fleuves, d'où le nom de Mésopotamie, en étymologiquement parlant, le Tigre et l'Euphrate. Et là, vous dites, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Des cueilleurs vont se mettre à semer. Ils vont développer ce que vous appelez les 7 cultures fondatrices de l'agriculture, l'orge, la lentille, le pois chiche, le pois, la veste et les deux ancêtres de notre blé, l'engrain et l'amidonier. Alors, quelles sont les conséquences, d'après vous, de cette double révolution dans la manière de se nourrir et d'utiliser l'espace? Vous dites, ils se sont arrêtés au lieu de toujours courir. Les cueilleurs et chasseurs, évidemment, ils allaient au fur et à mesure de... Nomades. Voilà, et puis nomades jusque... leur domaine avait encore des animaux et puis on pouvait cueillir ça et là. Donc ils s'arrêtent. Et ils s'arrêtent dans cet endroit donc, que vous avez cité, qui est la Mésopotamie, donc Méso, milieu, Potamos, le fleuve, là, dans cet endroit, le croissant fertile, il y a, disons, 8-9 000 ans, enfin, dans notre partie du monde, hein, parce que dans d'autres endroits, c'était aussi la même chose. Et ils commencent à travailler, ils commencent à semer et ils commencent à élever. Donc ça change complètement les choses. Et ils commencent à améliorer, parce qu'ils commencent à croiser les espèces, ils voient les bonnes pour les animaux. Et puis, il voit aussi les bonnes espèces pour les végétaux. Donc, on commence là, les premiers balbutiements, je vais devenir la recherche génétique. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça change parce qu'on crée des sociétés, on crée des villes, on crée tout ça. C'est cette dimension qui est absolument fascinante. Et puis, on avance petit à petit avec une avancée vers l'ouest. Et quand j'ai travaillé sur les cochons,
Les cochons, au fur et à mesure, se sont mélangés aux différents animaux sauvages, les sangliers, etc. Donc, il y a des espèces comme ça hybrides, sauf les cochons corses, qui sont arrivés directement par les Phéniciens, directement en Corse. Donc, les Corses, c'est, que si vous voulez avoir un souvenir de ce que c'était que la Mésopotamie, vous allez en Corse et vous mangez Corse. Que je vous recommande. Je ne touche que 17% sur le saucisson corse. Là où vous disiez tout à l'heure, à l'instant, il y a d'autres, ça se passe différemment dans d'autres civilisations. Enfin, c'est un processus à peu près en même temps comparable. Alors, c'est très intéressant. Vous parlez du maïs et vous racontez comment chez les Mayas, dans le sud-ouest du Mexique, alors c'est encore plus fort. Si je vous ai bien lu, c'est le grain qui va permettre aux dieux de créer les hommes. Hein. Alors, votre, je sais pas si vous connaissez, enfin, forcément ses travaux. Sylvie Brunel a travaillé elle appelle ça sa majesté le maïs, la plante que nous aurons détestée, mais qui sauve pourtant le monde. Comment vous expliquez, par exemple, aujourd'hui que le maïs justement est si détesté que cela? Il y a plusieurs raisons. D'abord l'ignorance. Ça, c'est une bonne raison. En général, quand on ne connaît pas, on déteste. Le maïs est sans doute la plante la plus extraordinaire de production de matière végétale. Elle a deux inconvénients, on peut dire. Le premier, c'est qu'elle sert principalement pour nourrir les animaux. Donc on pense que s'il faudrait diminuer le nombre d'animaux, comme ça, on respecterait mieux les obligations climatiques. Et aussi, alors que globalement, le maïs demande moins d'eau que le blé, par exemple. Ce qu'on ne sait pas. Mais le maïs demande de l'eau plus tard que le blé. C'est-à-dire à un moment donné où on est à l'étiage, à un moment donné où il y a moins d'eau. D'où une question qui va se poser dans une région qui est juste au sud de cette ville ici. Qu'est-ce que ça va donner, étant donné la situation de la Garonne? Vous savez, quand j'ai travaillé sur l'eau, donc il y a 15 ans, j'ai fait l'avenir de l'eau après une longue enquête et j'étais avec le préfet de région à l'époque et il me dit on n'aura plus d'eau dans la Garonne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que évidemment l'eau vient principalement des glaciers, les glaciers pyrénéens sont plus bas que les glaciers des Alpes et les glaciers il y en a moins. Donc c'était des questions liées. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai travaillé sur ces questions, parce que tout est lié. Et évidemment, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc, et moi, ce que j'aime, c'est aller regarder dans les détails. C'est-à-dire, on a travaillé sur le maïs pour voir si c'était possible, et il va y avoir une adaptation, forcément, puisqu'on va avoir moins d'eau à l'été. Parce que c'est ça la question de l'eau. C'est que, il faut bien que vous compreniez, c'est que il y a toujours eu, depuis les temps les plus anciens, la même quantité d'eau, toujours. Simplement, elle arrive pas au même endroit et pas aux mêmes périodes. Voyez, et donc elle arrive pas forcément au moment où on en a le plus besoin. Et vous voyez qu'on alterne les sécheresses et puis les inondations terribles. Donc c'est ça la question. Si vous voulez, moi quand j'ai écrit l'avenir de l'eau, je disais écoute, c'est sympathique, très bien, mais c'est exotique. Jamais, on ne souffrira de problèmes d'eau en France. Et regardez ce qui se passe. Il se trouve que moi, j'adore le vin, je suis membre de l'Académie du vin de France, je suis membre même du bureau de l'Académie du vin de France, parce que quand vous êtes membre du bureau, vous participez au voyage d'études. Ça peut aider. Il y a quelques verticales aussi. Oui, il y a quelques... Je suis quand même un des rares à avoir participé à une verticale de Romanée Conti, quand même. Ah, quand même, oui. Oui, ça mais compte. Pas seulement, des crus d'ici aussi, vous voyez. Donc, voilà, donc c'est... Et puis, bon, et donc, c'est une longue histoire, cette passion pour... Mais je reviens à ce qui était la question première, c'est la nourriture. Il se trouve que ma grand-mère était lyonnaise, et que quand on est lyonnaise, mais aussi bordelaise, on rigole pas avec la nourriture. Non. Donc elle m'avait appris à faire la cuisine, et quand j'avais 10 ans, elle me disait « N'oublie pas que dimanche, il y a la famille, t'as pas intérêt à rater ta blanquette. » Donc, et quand on voit un peu ce qui se passe maintenant,
Vous racontez, par exemple, je vous coupe, l'histoire du cordon bleu. C'est extraordinaire, ça. Alors, d'abord, dites-nous l'origine du cordon bleu, si ça, c'est une histoire assez marrante. Et puis, qu'est-ce que c'est que le cordon bleu aujourd'hui? Le cordon bleu, c'était la grande décoration. Mm-hmm. C'était la Légion d'honneur au moment de... Voilà. Et puis, on a donné ça au nom d'un produit. Produit qu'au début, il y avait 3-4 produits. Et puis après, parce qu'il fallait des colorants, il fallait des machins, etc. Donc il y a 35 produits. C'est un prototype même du produit que vous dites ultra transformé, c'est comme ça. Ultra transformé, on ne sait pas ce qu'on mange. Alors regardez cette histoire. Deux remarques. Les petits-enfants pour moi, les enfants pour d'autres ici, il y en a de moins en moins qui savent faire la différence. Face à un carré blanc, si c'est du poulet ou si c'est du poisson. Vous le dites. Donc, la moitié des vaches finit en boulette. D'où la question légitimement posée, est-ce qu'il restera des dents aux générations futures? Parce que comme mâcher, c'est une sorte d'effort, eh bien on préfère les boulettes. Ce genre de choses. Et donc, je participe, et on a relancé l'affaire là, avec Guillaume Gomez, qui est l'ancien cuisinier d'Élysée, et avec Thierry Marx, à une action pour qu'on remette un peu d'éducation à l'alimentation à l'école. Comprenez? Parce que si on prend ça déjà en disant, qu'est-ce qu'on mange? Et obligé à savoir ce qu'on mange. On raconte l'histoire de Lactalis. Lactalis a attaqué le gouvernement français parce que le gouvernement français avait demandé qu'on inscrive sur les paquets de lait de Lactalis l'origine du lait. Il dit « Ah non, non, c'est pas possible ». Il a été devant la Cour de justice européenne et il a gagné. Interdiction de savoir. Enfin, comment? C'est quand même hallucinant de ne pas savoir l'origine. L'origine, c'est quand même... Encore une fois, l'origine, ça veut dire qui nous sommes. Comprenez, c'est ça l'affaire. Et puis, il y a d'autres points qui sont passés. Quand vous voyez que le budget consacré à l'alimentation est passé de 30% à 11% en une vingtaine d'années, pour toutes sortes de raisons, et notamment pour les raisons du logement. C'est-à-dire le logement est devenu de plus en plus cher. Le premier poste, oui. Premier poste, et ça risque pas de s'améliorer parce qu'il y a une crise gigantesque du logement. Donc, vous voyez, donc pourquoi je passe tant de temps dans cette affaire-là? Parce que c'est le rapport avec notre alimentation. Alors ça, c'est une chose, pardon, c'est aussi pour avancer, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de... Il est beaucoup aussi question à la fois d'image, hein, mais aussi de reconnaissance. Vous dites, notre société, là j'ai reconnu votre patte, souffre d'une maladie qui s'appelle le manque de reconnaissance. Donc vous dites d'ailleurs plaisamment qu'il s'agit d'une maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme. Hein. Je confirme. On reconnaît le style d'Éric Orsenna. Alors, il y a cette histoire que raconte Julien de Normandie, c'est l'histoire du coq Maurice à l'île d'Oléron. Vous allez pouvoir nous dire de quoi il retourne. Mais au-delà de ça, après le coq Maurice, les agriculteurs, vous posez la question, les agriculteurs ne sont-ils pas les prochains sur la liste à être mis en cause? Vous citez l'exemple de Vincent Verschuère, condamné par la Cour de cassation, en cassation, donc le 7 décembre 2023, c'est pas vieux, a payé 100 000 euros de dommages et intérêts à ses voisins qui contestaient son élevage. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut se définir par rapport à cela? C'est-à-dire, finalement, on a un agribashing qui devient vraiment à la mode. Alors, il y a beaucoup de points là que vous avez évoqués en même temps. C'est que. Comment dire? On sait très bien qu'il y a des gens qui aiment aller à la campagne, des urbains qui aiment aller à la campagne, mais à la campagne, il y a du bruit. Il y a du bruit et des odeurs. Donc, quand on a des coqs, ben, on n'est pas content. Donc, surtout quand on va à l'île d'Oléron, de Ré, comme ça, on n'aime pas avoir des coqs. Donc, voilà, donc on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de coqs, on fait des procès à ceux qui ont des coqs, alors que, bon, voilà, c'est quand même leur boulot, quoi. Premièrement. Deuxièmement, on n'est pas content quand il y a une porcherie. Alors, quand on va plus loin de l'affaire, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse bien. C'est que vous voyez une contradiction. C'est-à-dire que pour le bien-être des animaux, on est évidemment très favorable aux élevages en plein air. Mais les élevages en plein air sont dangereux. Parce que, notamment pour les volailles,
eh bien, ils reçoivent des virus qui viennent des oiseaux migrateurs. Et à ce moment-là, la grippe aviaire. Il y a de grippe aviaire. Donc, voyez comment est-ce qu'on fait. Ce livre devait s'appeler, et puis l'éditeur a dit c'est un peu sévère, devait s'appeler Le voyage au cœur de nos contradictions. Parce qu'à chaque fois, c'est des contradictions. Vous voyez ? C'est-à-dire, et je prends la question de l'importation, qui est quand même folle, quand même, la France, pays à plus de 1000 terroirs différents. La France importe la moitié de ses fruits, la moitié de ses légumes. Ça veut dire quoi, ça ? Avec un système quand même incroyable, c'est-à-dire que on produit des pesticides qu'on interdit, certains on autorise et d'autres on interdit chez nous, qui vont servir au Brésil à fabriquer des produits qui sont interdits de fabriquer chez nous et qu'on va importer dans le cadre du Mercosur. Et Julien raconte cette histoire incroyable. Il était en poste comme attaché scientifique au Caire, et sa petite fille tombe malade. Elle a ce que j'ai maintenant, c'est-à-dire une sorte de bronchite. On lui dit, bon, bah, il faut un antibiotique. L'histoire des antibiotiques, oui. Alors, c'est l'histoire, voilà, un antibiotique. Donc, bon, et alors, il demande à la nounou, mais là, la pharmacie, elle est où? Ah, ben, la pharmacie, il n'y en a pas. Mais il y a un bon moyen, aller au supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a du poulet brésilien. Parce que comme ça, vous aurez de la protéine et de l'antibio. Et comme ça, la fille de Julien a été débarrassée de sa bronchite. Donc, c'est ce genre de choses, mais on voit ça partout, tout le temps. C'est-à-dire, on interdit comme ça. Et voyez, c'est ça, l'agriculture, c'est pour ça qu'on sentait cette colère. Mmh. Alors, on a écrit, nous, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Marche sur la tête ». On marche sur la tête, oui. Vous savez que ça s'est retrouvé dans les pancartes. Vous étiez au Salon de l'agriculture ces 4 derniers jours. Oui, ça, oui. Alors, avec un jeu de mots, c'est « En marche sur la tête hein. ». Évidemment. Bon, évidemment. Et comme le co-auteur du bouquin avec vous, c'est celui qui a rédigé les statuts de « En marche », dit-on, oui. en 2016. Bon, oui, non, c'était assez intéressant quand même de discuter avec lui. Parce qu'en plus, c'est ce que j'avais dit. Moi, on m'a proposé plein de fois d'être ministre de la Culture. Et vous vouliez l'agriculture. Et je voulais l'agriculture. Je me souviens avec Sarko, il me propose la culture. J'ai dit non. Ah bon? Bon. Ah bon? Je dis non, mais il y a 200 qui voudraient être là. Je dis non. Et donc j'ai dit bah non, non. Et donc bon. Mais donnez-moi l'agriculture, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Bah voilà. Et je lui dis d'ailleurs un truc assez important dans le livre. Vous savez, à l'Académie française, nous avons fini la 9e édition du dictionnaire. Et comme vous êtes en habit vert. La couleur correspond à la... Bien sûr, bravo. Il est très, très fort. Très fort, très fort. Ben, c'est continuons. Non, mais il est là. Et donc, voilà. Et donc, comme on commence par le voir, bien sûr. À propos, est-ce que vous savez un truc incroyable que j'ai appris il y a la semaine dernière? La majorité des élèves de classe de 4e ne connaissent plus l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que quand ils recherchent pas en feuilleton, ils recherchent le mot même. Donc, vous voyez, donc c'est un truc incroyable. Donc, voilà. Et donc, je vais interdire le singulier au mot agriculture. C'est ça. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, à propos d'une réflexion que vous fait Brodel, quand vous êtes conseiller culturel de Mitterrand à l'Élysée. Vous pouvez nous dire ça, parce que oui. Brodel vous dit qu'il y a 350 pays en France. Exactement, 300. Et il y a le pluriel. Et donc, vous savez, ça marche très bien de dire l'agriculture. Parce que l'agriculture, ça facilite, évidemment, ça permet de mélanger un peu tout, et comme ça, ça aide plutôt les plus puissants. Thomas Piketty, je ne suis pas d'accord avec lui de temps en temps, mais là, il a fait une analyse extrêmement précise. C'est le lieu où vous avez le plus d'inégalités. C'est-à-dire quand même, il y a un gros tiers, on va dire, des agriculteurs qui ne gagnent pas le SMIC. Et notamment chez les éleveurs. Avec des questions qui vont se poser, qui se posent maintenant, il y a deux questions clés, parmi d'autres. Un, est-ce qu'il y aura encore de l'élevage dans 10 ans? Qui va encore accepter d'être éleveur? C'est-à-dire ce que ça veut dire concrètement, ce que c'est qu'éleveur, parce qu'autrement, on peut planter, on attend que ça pousse, etc. L'éleveur, c'est tous les jours, hein, tous les jours. Qui va accepter? Et ça veut dire quoi, le pays de France sans élevage, concrètement? Les services que ça donne, etc., tout ce que ça veut dire, bon, ça veut dire quoi? Et puis, voilà, donc ça, le tiers des exploitations agricoles va devoir changer de propriétaire dans les 5 à 8 ans. Et
vous connaissez beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent que leurs enfants reprennent l'exploitation. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce que ça donne un pays sans agriculteurs ? Ça donne de l'industrie. Ça donne de l'industrie, donc c'est l'inverse du modèle que nous souhaitons. Avec, et on voit d'ailleurs une tendance avec l'augmentation des exploitations, qui était de 60, qui est à 80, puis ça monte petit à petit, et peut-être avec, avec des comparaisons, parce qu'on a, on n'a pas été seulement en France, on a été en Ukraine, on a été au Brésil, bien sûr, on a été un peu partout, puis moi j'avais été dans plein d'autres pays avant pour regarder un peu ce qui se passait, mais on arrive en Ukraine, de l'autre côté de la Moldavie, là, sur la route d'Odessa, et on voit un champ, bon, on lui dit, écoutez, votre exploitation, elle est formidable. Ouais, on est content. C'est deux Français, hein. Oui, oui, qui ont repris en liaison. Hein, ils sont pas propriétaires, ils reprennent et tout ça. Et on dit, vous avez là, oui, on a un champ. Hein, ouais, c'est bien, 197 hectares. On dit, c'est une bonne base. Il dit, ah oui, mais nous c'est rien, 22 000 hectares. Alors, regardez une autre contradiction. Parce que moi, j'aime aller au fond un peu des trucs comme ça. Et là, les contradictions. Quand la guerre a éclaté, on a dit, évidemment, on va accueillir les produits ukrainiens. Étant donné la taille des exploitations, un machinisme complètement débridé, puis il n'y a pas des haies qui vous font chier, donc vous continuez comme ça, etc. C'est-à-dire que vous avez des rendements qui sont faibles, mais vous avez des coûts, des prix de revient qui sont très, très faibles. Donc, évidemment, votre concurrence, par rapport à ce qu'on fait, nous, ben, on est complètement écrasé dans la concurrence. Donc, au début, on dit, bon, ils sont en guerre. Mais quand la guerre dure, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'en font les Polonais. Les Polonais, l'agriculture polonaise, si on continue d'importer des produits ukrainiens, l'agriculture polonaise, elle est morte. Alors, voyez, ce genre de choses, comment est-ce qu'on fait? Nous, avec Julien, on essaye de voir concrètement ces contradictions-là et puis voir comment on peut les dépasser. Voyez. Pourquoi vous écrivez, page 117, c'est le titre de votre quatrième partie, « Produire, ne pas produire, telle est la fausse question ». Et puis un peu plus loin, en introduisant cette partie, vous dites « Dans un grand nombre de pays, les terres cultivables ne suffisent pas et suffiront de moins en moins pour nourrir la population ». On a bien compris ça. Mais pourquoi est-ce que c'est une fausse question, la question de produire ou de pas produire ? Parce que il y a des gens pour qui... produire, c'est un gros mot. Il faut produire le minimum. Et on va jusque-là, productiviste, etc., produire le minimum. Voyez ? Donc. Et donc, notre position à nous est une position là partagée sur ce point. Une position différente, c'est que il y a des pays, comme la France, qui sont beaucoup mieux dotés que d'autres. Donc, elles ont une responsabilité d'apporter à d'autres pays ce qu'ils ne peuvent pas produire. Avec une question grave, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Jusqu'il y a encore, disons, 50 ans, il y avait une agriculture égyptienne. Et puis, il y a eu l'augmentation de la population. 100 millions. Et puis, maintenant 100 millions. Et puis, il y a des autres priorités qui ont été données. Ce qui fait que maintenant... dans cette civilisation égyptienne où le pain joue un rôle absolument clé, puisque pain et vie, c'est la même chose dans cet arabe égyptien, donc l'Égypte dépend complètement de ses achats à la Russie. Complètement. Ce qu'on appelle... Lavrov est même venu en juillet 22, Complètement. Reçu quasiment... Donc, ces questions... Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on donne? Tous les pays du Maghreb et du Machrek, tous les pays du sud de la Méditerranée. Étant donné l'évolution des climats, va avoir des difficultés alimentaires. Parce que leurs agricultures ne sont pas en mesure de répondre à une augmentation de la population qui est plus faible maintenant, mais qui est quand même assez forte. Donc il faut qu'un certain nombre de pays leur donnent. Avec une question, et là aussi on est en contradiction, parce que si vous leur vendez du blé qui est avec un meilleur rendement que le sorgho, par exemple, ou le mil, ben, vous tuez les agricultures locales. Mais les agricultures locales, qui c'est pas en moyen de nourrir une population beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on essaye de raconter, c'est un peu ça. C'est-à-dire,
comme on finit le livre en saluant Edgar Morin, c'est-à-dire c'est vraiment la complexité. Oui, exactement. Oui. C'est essayer d'être le plus... conclusion, vous voyez Edgar Morin et son épouse. Oui, le plus honnête possible en voyant ces contradictions-là. Alors, on a l'impression que au sommet des contradictions, c'est vous qui dites d'ailleurs, il y a l'Europe. Vous dites qu'elle est à la fois contradictoire et nécessaire. Alors, c'est un chapitre assez passionnant. Je dis au passage que de temps en temps, vous avez des intermèdes. Hein, c'est pas des trous normands, hein, c'est des petites respirations. Et vous convoquez, alors on sent votre patte littéraire là, vous convoquez des grandes figures. Hein, donc, vous avez un dialogue avec Sully, vous avez un dialogue avec Turgot de mémoire, avec Ricardo, je suis dans le désordre là, et avec Robert Schumann. Hein, parce que si on prend en liaison directe ce qu'on disait précédemment avec Ricardo, vous savez, Ricardo, c'est la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire, nous, on est une puissance agricole, eh bien, on fait ça. Il y en a d'autres qui ont plein de montagnes, ils peuvent avoir de l'hydroélectricité, donc ils peuvent vendre leur électricité, etc. Mais Ricardo, il avait oublié un truc, c'est-à-dire le respect de l'environnement. C'est-à-dire, c'était la concurrence. Et le commerce. Le libre au lieu d'être juste. Libre au lieu d'être juste, juste pour rémunérer bien les gens et juste vis-à-vis du respect de l'environnement. Et puis on fait aussi la part à certaines personnes que on admire beaucoup. On se rend pas compte. Il va y avoir les élections européennes. On se rend pas compte de qui c'était Monsieur Schumann, Robert Schumann. Imaginez quand même que 5 ans après la guerre mondiale, en 1950. Cette guerre terrible, on fait une déclaration commune avec nos ennemis, les Allemands. Le 9 mai 1950. Le salon de l'horloge. Au Quai d'Orsay, où j'ai travaillé beaucoup. Et donc là, ils décident. Je suis bouleversé à chaque fois que je lis ce texte, qui est admirable, de mettre en commun le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne, c'est-à-dire les moteurs de la guerre, pour empêcher que la guerre soit possible. Et si après on lance la politique agricole commune, c'est après avoir, si possible, empêché que la guerre recommence, rendre la vie possible, c'est-à-dire en étant nourri. D'où le grand moment de production à tout prix lancé par Edgar Pisani, que j'ai un peu connu quand j'étais tout petit. Alors, dans ce chapitre sur la PAC, c'est très amusant parce que là, vous vous chamaillez hein, avec votre co-auteur, vous vous posez des questions et qui sont très précises, et lui, il vous répond, Eric, tes questions sont trop simplistes. Oui. En gros, il me prend pour un con. C'est pas ce qui ressort, parce qu'on pourrait dire que ces réponses ne sont pas à la hauteur de votre questionnement. C'est quoi l'objet du débat ? Je vais lui redire ça, tiens. Oui. Ça, je pense que je vais revenir avec ce petit viatique. Et je vais dire, tu sais ce qu'on m'a dit à Bordeaux, c'est que ouais, tes réponses étaient un peu légères. Ce que je pense, hein. C'est quoi le terme du débat, la contradiction pour le coup entre vous ? Regardez ce qui est en train de se passer. Notre livre, on a essayé de faire le livre le plus équilibré possible, le plus en même temps possible. Entre nourrir et dévaster, et ne pas dévaster. Et puis, il y a eu les manifestations. Et plus les manifestations vont, plus on oublie le deuxième terme de l'obligation. Et donc, on voit qu'on oublie la dimension environnementale, de plus en plus. On le voit. Et à chaque fois que, voilà, ça diminue. Donc, Ce qui me rend fou sur cette histoire, c'est que on n'a pas un objectif clair de l'Europe. On n'a pas d'objectif en disant, par exemple, on n'a pas d'objectif de production. Qu'est-ce qu'on devrait produire, filière par filière, qu'est-ce qu'on devrait produire? Comment est-ce qu'on devrait faire, premièrement? Deuxièmement, comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs, avec quel rythme, comment on les aide, etc., pour faire ça? Parce que être agriculteur, mais c'est un cauchemar. Hein. C'est-à-dire, on avance dans un sens, on avance dans un autre. Et il y a une sorte de règle que moi j'ai vue au Conseil d'État, parce que donc on voit, on fait une loi qu'on respecte pas, donc on fait une deuxième loi.
voyez, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim. Donc il y a une loi Egalim 1, c'est-à-dire le raspin entre les producteurs, les industriels et puis les distributeurs. Donc c'est pas respecté. Donc on a fait Egalim 2, qui n'est pas respecté non plus. Donc on fait Egalim 3, etc., etc. On fait des lois, voilà. Et puis il y a un point qui est clé, c'est que on multiplie les mesures. Pourquoi ? Sans vision. Et ça, c'est un critère assez clair. Si vous n'avez pas de vision, vous multipliez les mesures. Et on voit bien ça dans l'éducation avec mes enfants. S'il n'y a pas des règles du jeu assez claires, on prend des mesures telles, ponctuelles. Mais pas en disant, ben voilà, on va aller là, puis après, on laisse les gens se débrouiller. Vous voyez ce genre de mécanisme-là. Et donc, c'est ça notre débat. Alors, lui, il pense qu'il a raison, que c'est absolument nécessaire d'avoir la PAC. Si on n'a pas la PAC, plus de la moitié des exploitations françaises ferment immédiatement. On a déjà 100 000 qui ont disparu sur la dernière décennie, il n'en reste plus que 400 000. C'est, c'est rien, il n'y a plus personne, je veux dire, pour nourrir ça. Donc, vous voyez, c'était à chaque fois essayer ça, c'est-à-dire, quelle est la vision ? Quelle est la vision ? Et on accompagne pour la vision. Comprenez ? Moi, je vois ça dans un autre domaine qui me passionne, c'est le domaine de l'industrialisation. Il se trouve que voilà, je suis un peu ce qui est en train de se passer à l'autre bout de la France, à Dunkerque. Et on voit bien, ben, on va industrialiser, très bien. Et alors, les gens, comment on va les loger à Dunkerque ? Ils vont être 18 000, comment on va les loger ? Comment on va indiquer les enfants ? Comment on va les transporter ? Comment, etc. C'est-à-dire concret. Moi, ce qui m'intéresse, voyez, c'est ça qui m'intéresse en tant que reporter. C'est-à-dire concret, on fait comment ? Concrètement, on fait quoi ? Il y a quand même une dernière chose qui m'a un peu étonné, c'est toute la partie sur le rapport entre innovation et agriculture ou l'agriculture et la science. Alors, vous dites carrément, dans le pays de Pasteur, ne plus faire confiance à la science. Vous dites aussi, ça c'est très rigolo, pour permettre de relever les défis présents et ceux bien pires qui nous attendent, la science n'est rien sans les pratiques agronomiques, leur changement et leur adaptation, que vous résumez sur un air de salsa cubaine, je ne vais pas vous le chanter, hein, Trabaro no, Phyto no, Robot si. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça va. Mais d'ailleurs, voilà, mais la fois prochaine, je vous le chante. Et moi, je vous le danse parce qu'à l'académie, je suis le seul qui danse. Pourquoi vous remettez en cause la science ? Mais pas du tout, je remets pas du tout. Hein. Attendez, non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, on n'est pas scientiste. C'est-à-dire, la science suffit pas. Ça, c'est clair que la science suffit pas. Il faut l'acceptation, etc., etc. Mais s'il n'y a pas la science, on va pas réussir. Par exemple, les gens qui disent on va supprimer le phyto et on va supprimer le glypho, bah, ils ont raison. C'est pas bon du tout. Mais comment on fait ? Comment on fait, notamment quand vous labourez plus ? Comment vous faites ? Comment vous faites ? Vous faites quoi ? Alors, je sais qu'il y a des pratiques et tout ça, etc. Mais à grande échelle, comment vous faites ? Et alors, il y a des gens qui me font marrer parce qu'ils disent il faut biner, on va arracher les voilà. Et ben, bon courage. Honnêtement, j'ai jamais vu depuis longtemps un Français biner. Hein. Ceux qui binent, c'est des Polonais ou d'autres qui viennent des Marocains. Hein. Mais voilà, les agriculteurs français qui binent, zéro, plus personne. Donc on fait comment ? Et donc j'étais là, je viens du salon, où j'ai fait une conférence là-dessus, justement, sur ce que c'est la nouvelle technique. Mais il y a une vision encore très développée, très nostalgique de l'agriculture. Et notamment les publicitaires, ils adorent. Il y a des dames comme ça, où il y a des photographes qui... La semeuse, presque. Oui, oui, le truc comme ça, on dit comme ça. Ou alors, voilà, l'agriculteur qui a deux dents et tout ça, c'est bien. Avec cette connerie, quand même, moi, j'ai vu ce que c'était que la misère, hein, en Bretagne. Avec « c'était mieux avant ». C'est pas vrai que c'était mieux avant. Ça, c'est une escroquerie. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on fait techniquement ? On n'est pas forcé de tout prendre. Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Travaillant par exemple sur la viticulture. Alors, il se trouve que je suis donc très actif dans l'Académie du vin de France et j'ai demandé, nous avons demandé avec Jean-Robert Pitt, aux 25 des plus grands domaines français, lors d'une rencontre en deux jours passionnante, en une demi-heure, de nous raconter comment ils vivaient les dérèglements d'hiver. L'augmentation de la température, le problème de l'eau, les nouveaux ravageurs, etc. C'était complètement passionnant. Eh bien, il y a par exemple des capteurs de stress hydrique qui sont là, qui disent, voilà, hop, là, comment est-ce qu'on fait ? Et puis, justement, il y a des manières de retirer les herbes et tout ça, comment est-ce qu'on fait ? Donc, moi, je suis très ouvert. Il y a quelque chose qui s'appelle la ferme digitale. Il y a 200 start-up qui se mettent au service de l'agriculture. Par exemple, moi, je travaille avec une qui s'appelle Mycophyto,
Mycophyto, c'est quoi? Alors là, vous allez voir, c'est quand même super intéressant. C'est que il y a un inconnu qui est absolument nécessaire, c'est le sol. Tout le monde se fout du sol et personne connaît le sol. Et donc, et je vois, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire de voir ce qu'il y a dans le sol, comment ça marche. Et on ne savait pas, jusqu'à une date assez récente, que c'était le rôle précis des champignons. Et les champignons, en résumant, ils ont des sortes de filaments qui complètent l'action des racines. Et qui donnent des informations aux arbres. Et qui donnent des informations aux arbres, qui demain, comme on voit, etc. Donc, et ça, c'est récent. Donc, c'est grâce à la science. Comprenez ? Comme on a vu, il se trouve que à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur. Donc, j'ai bossé. Je suis ambassadeur de Pasteur. Donc, je passe mon temps chez Pasteur. Et donc, regardez. On sait maintenant que notre estomac est notre deuxième cerveau. Le microbiote, les bactéries, et aussi, voilà, le microbiote, les champignons, et microbiote, toutes les bactéries. Bien. Eh bien, le premier vrai article scientifique sur la question date d'à peine 15 ans. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup plus sur Mars que sur notre estomac. Avec une sorte de vertige incroyable de passion pour savoir ce qui est au loin. Donc ça me rappelle certaines personnes que je n'admire pas du tout dans les couples qui se désintéressent de leur conjoint ou conjointe et qui vont voir ailleurs. Il y a une sorte de perversité de la conjugalité mal comprise dans la science. Et ça me rappelle cette formule merveilleuse de Paul Morand, qui disait « Elle était belle, belle, belle comme la femme d'un autre. » Vous voyez ? Je suis sûr que ça vous rappelle des trucs. Alors, on va terminer par votre échange avec Edgar Morin et son épouse Saba Abouessalam, qui est tout à fait passionnant. C'est vraiment votre conclusion. Et c'est l'occasion de dire un mot du mot complexité. Vous en avez dit un mot à l'instant, Eric Orsenna. D'abord, parce qu'il faut que vous nous redonniez l'étymologie du mot. Ça nous ramène d'ailleurs au couple qui se distende. Oui, c'est avec, un couple, ah, voilà. C'est avec, voilà. Ça, c'est le lien avec. Voilà. Ça. Alors, peut-être que vous pourriez dire un mot de ce qui constitue les deux dernières pages de votre livre, c'est-à-dire la nécessité d'un pacte. Hein, du fameux... Alors, l'idée, c'est quand même qu'on voit bien que ça fait longtemps que ça ne marche plus, les relations entre d'autres pays et les agriculteurs. Ça marche plus, on s'agresse de tous les côtés, les uns sont malheureux, etc. Donc, c'est pas possible. Vous noterez que c'est partout pareil. Oui. Que les révoltes sont non seulement en Europe, partout, mais en même temps en Inde. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. On leur demande de produire moins cher en protégeant mieux. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait une sorte à tous les domaines. Quand on leur demande quelque chose, avec une conditionnalité, d'accord, mais en accompagnant, et puis une vision à long terme. C'est-à-dire, on leur donne pas tout de suite, pas comment est-ce qu'on fait, etc. Et puis, de tout, à chaque niveau. C'est pour ça que on commence à l'école. On commence à l'école avec cette... encore une fois, vous savez, on redit sur l'eau... Dites-moi, comment vous produisez l'eau? À quel prix? Au bénéfice de qui? En respectant quoi? Je vous dirai exactement à quelle civilisation vous appartenez. Dites-moi quelle est votre relation avec la nourriture. Je vous dirai aussi exactement à quelle civilisation vous appartenez. Il y a quelque chose qui nous effraie, un exemple parmi d'autres, il nous effraie, Julien et moi. Il y a de plus en plus de programmes immobiliers aux États-Unis. On a supprimé la cuisine. Parce que il y a des producteurs de bouffe qui vous livrent. Vous savez, c'est les nouveaux esclaves là qui livrent d'ailleurs en disant écolo, c'est-à-dire on les oblige à aller en vélo. C'est gonflé ça. Alors nous, on a des bagnoles super indépendantes et les autres, ils sont en vélo. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est pas possible. C'est-à-dire reprendre ce lien. Vous savez, c'est un peu la même chose que j'ai vécu, qu'on a tous vécu avec la pandémie.
c'est-à-dire quelle relation on a avec la santé. Quelle relation on a avec la santé? On sait très bien que le niveau de santé en France a plutôt tendance à baisser. Parce que les soins coûtent de plus en plus cher, étant donné le vieillissement, et j'en suis un exemple, et voilà. Mais en même temps, on ne fait pas assez attention à la prévention. Alors que c'est la prévention qui permet d'améliorer le niveau sanitaire d'une population. Donc vous voyez, c'est ce genre de questions, c'est-à-dire sur l'essentiel. Vous voyez bien qu'il y a un problème avec l'éducation, il y a un problème avec la santé, et il y a un problème avec l'alimentation. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas seulement dans l'alimentaire qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un peu à ce qui est vraiment essentiel. Voilà, je ne vais pas taper, mais enfin, bon, quand vous voyez que la première valorisation mondiale, c'est pour fabriquer des sacs et même moins pour se vêtir, bah, on marche sur la tête, voilà. Mais ça il n'aime pas ça du tout, hein, Julien, quand je dis ça. Parce qu'il ne faut pas attaquer le moteur de notre civilisation, qui est le luxe. Merci, merci beaucoup, Éric Orsenna. Je pense qu'on peut vous applaudir avec ce livre.